Eh bien, yop les potes, c'est Frigidaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Dead Space. Donc on va continuer le jeu parce que juste pour vos façons de le découvrir, pour pas vous convaincre, parce que je peux vous dire qu'au début, c'était pas terré. J'y ai joué pendant une petite heure, mais maintenant, je crois que ça devrait aller. Par contre, ce jeu, putain, il me fait stresser. À mon avis, tous ceux qui ont déjà joué, bon, à part sûrement quelques-uns ou quoi, à mon avis, il en a fait stresser la plupart, mais bon. Tiens, ça commence. Viser les membres des créatures. Ça s'appelle des micromorphes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai trois armes. Donc j'ai ça, j'ai le trancheur et j'ai le truc d'assaut. Donc attendez, maintenant on va continuer. On va regarder si on a ce petit kit de son pour y aller. On va prendre un petit kit. Ah. Je n'ai qu'un kit de son. Ok. Merde, je ne vais pas le taper. Donc il faut qu'on aille. Ah oui. Donc là, j'avais récupéré des pièces pour détruire cette merde. Voilà. Une porte s'est ouverte. Ok, on y est. La voie vers la morgue doit être libre. Souvenez-vous, les codes sont sur le corps du capitaine. Ok. C'est tout ça. C'est alléchant tout ça. D'habitude, je prenais cette petite arme, et vu qu'ils ont commencé à devenir plus nombreux, je leur coupe mon bras avec ça. Bon, faut user plus de balles, mais. Les coups. Oh. Ah, d'accord. Ça sent la connerie. Ok, bon. Faut que j'aille. Ok. Putain, je peux vous dire quand t'es dans une anse comme ça, mais. Du stress. Regardez, vous avez vu les décors. Oh. Putain, j'ai même plus de bol. Bon bah les gars, va falloir que je lui coupe ses pattes. On va le mettre comme ça. Toi t'es mort. Il était que deux, rassurément. Merde. J'ai entendu un bruit. Je vous attends avec mon copain. Ça va poteau? Pas me prendre pour un con non plus. Oh. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être que je lui marchais dessus. Ah, le truc énergie. Il est où? Le truc est énergie. Ah, il est là. Il est là, mon pote. Voilà. Pousse-le du lit, on s'en fout. Voilà. Bon, regardons ce qu'il y a derrière cette petite porte. Va-t-il y avoir des petits micromorphes? Ok, vas-y, viens là. Non, mais viens là, je t'ai vu, c'est trop tard. Ah, d'accord. Ouais, s'il te plaît, tu veux plus tard. Oh, le calme. C'est bon? Putain. Je vous jure, en vrai, je le montre pas parce que j'essaye d'être un minimum simple, mais c'est pas juste ça. Non. Merde. Merde, il m'a pris par là, Quand je stresse comme ça, c'est pas bon. Regarde. Oh putain, il est pote. Je vous assure. Ce jeu, mais... Il me fait flipper, c'est un truc malade. Regardez, vous avez vu à quoi il ressemble, surtout quand il fonce dessus, regarde cette tête à lui. En plus, lui, c'était pas un zombie. Ok, ça c'est bon, ça veut dire que j'ai une masse de balles. Donc mon inventaire est plein. Oh putain.
Excusez si j'avance pas trop trop vite, mais je vous jure, je suis vraiment à chaque fois stressé. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je m'appelle Hélène Fiske. Je me réveille juste d'hypersommeil. Je suis seule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le monde est parti. Ah bah tu vas mourir. Je vais tenter de trouver quelqu'un. Si vous me recevez, venez m'aider. J'entre comme des rats dans les murs. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Vous êtes médecin? Où sont passés les... Oh oui, je vous connais. Vous êtes Harris, le prisonnier de la colonie. Et vous avez tué cette infirmière. Pitié! Aidez-moi, je vous en prie! D'accord, donc faut qu'on aille là, donc on va aller là-bas. Parce qu'il y a des trucs à prendre. Par contre... Voilà! Merde! Merde, j'avais pas vu, j'avais pas vu! Et ça m'énerve quand il y a des blessures à plusieurs et qu'il me tombe dedans. Oh putain, vous me faites chier, vous. Putain. Merci pour les crédits. Putain, c'est des balles pour... Putain, il va falloir que je vire quelque chose et que je prenne des balles de ça. Attendez, inventaire. Je vais me prendre un coup de ça. Voilà. Donc je vais déposer un chargeur de ça, on en a vraiment pas besoin. Voilà. Prendre ça. Attendez. Voilà. Attends. Je stresse ma maman. Putain, là. Elle est malade, elle. Attends, tu te calmes. Loul. Bon après ça doit faire perdre la tête à certains. On va pas se le cacher. Ah je suis désolé mais j'ai la flemme de lire. Ok bon bah vous savez quoi. Il y a une sauvegarde, hein. On va en profiter. On va sauvegarder tout ça. De bouquet du mythe. Par contre, ce qu'il faudrait là, c'est des soins parce que c'est juste que j'en ai plus quoi. Ce serait un peu casse-couille. Bah, de toute façon, je peux aller que là. Bon. Ah, vous savez, j'adore les grands couloirs comme ça. Voilà. Le scientifique en chef au rapport. Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup. Putain, je pense de merde. Que ces problèmes sont liés à la découverte du monolithe. Mais la nature exacte de ce lien reste à établir. Près de 40% des colons présentent des symptômes de démence dégénérative. Les plus visibles sont les tendances dépressives, insomnie et hallucinations. Des réactions violentes allant même jusqu'au meurtre indiquent aussi une paranoïa extrême. Le docteur Mercer m'a conseillé d'en faire venir quelques-uns pour les étudier. Le docteur Welland, psychiatre de la colonie, m'a indiqué que ces analyses ne l'ont mené nulle part. Je ne suis pas sûr que l'idée de Mercer soit la bonne, mais j'ai besoin de son aide. Nous devons trouver des réponses rapidement. Ok. Bon. Ok. Donc cet endroit, c'est sûr que je vais me faire appeler. Non, c'est ce que... Ça fait quoi ça? Putain, c'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est ça qui transforme les gens en zombies? Bah toi je vais couper la clé. Casse-toi. Mais putain, lâche ça. Putain. Ok donc cette créature n'a pas l'air d'être un bon ami. Putain, elle transforme les zombies, du coup c'est elle qui en a... Code bien reçu, dans l'air bon. Dieu merci.
Ok. Je vais fouiller dans les rapports du capitaine. Rendez-vous au train, je vous contacte là-bas. Je veux en savoir plus sur ce qui s'est passé ici. Ah, bah, de toute façon, c'est ce que je vais faire. De toute façon, tu m'emmènes tout le temps au bon endroit. Bon. Il y a peut-être... Alors, il y a plein de choses à récupérer, là. Des mines pour la mitraillette, parfait, des crédits, oh là là, c'est génial. Oh, c'est un kit. Attendez, faut que je vire quelque chose. On va virer le trancheur, je m'en suis pas encore servi, donc à la limite, je vais déposer ça. Et puis quand même, je peux faire les kits de soins. Et un point de force. Y a pas de truc pour le dépenser. Bon. Enfin, bref. Attends. On n'arrive pas. Attendez, ce que j'aime pas, c'est ça va bien s'ouvrir cette porte. Non, c'est bon. Ce que j'aime pas là-dedans, c'est que des fois. Attends. Comme une porte qui se dégage. Vous voyez, ce qui m'énerve, c'est tous ces trucs. Des fois, il y a des salles remplies de ça, et en fait, c'est d'ici qu'ils sortent. Du coup, ça me fait flipper. Faut que j'arrive. Ok, c'est à la porte là. De ce moment... Ah, regardez, il y a une porte là-bas, mais c'est d'où on était passé la dernière fois. Vas-y. Putain, j'ai stressé ma mère. Attendez, on va prendre ça. Bon, il est dans le bon sens pour ses pattes. Vas-y, viens. Vraiment moche. Y'a rien. Ok, y'a même pas un truc pour améliorer ses armes ou quoi. Bah c'était la pièce où j'étais tout à l'heure. Vas-y. Un peu de stress. Zach. Je ne sais pas comment il a fait, mais un de ces salopards m'a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. Ah quand même. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Je ne sais pas bien ce que sont ces choses, mais elles viennent de la planète brisée en dessous. Ça a commencé en bas, puis s'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Merde, on a un gros problème. Les moteurs sont coupés et on dévie notre orbite. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. Ici l'officier médecin-chef Nicole Brennan. Est-ce que vous me recevez bien? Nous avons besoin d'aide. Nous manquons de ressources ici pour traiter ces patients. Personne ne veut nous dire ce qui se passe. S'il plaît, nous ne sommes pas équipés pour soigner ces... Mettez-le sur la table. Tenez-le, bon sang! Tenez-le bien! Merde. Fin de transmission. Ok, mais bon, on va sauvegarder, s'arrêter là. Je ne sais pas de quand date ce message. Et il doit être quelque part ici. Bon bah, j'espère que vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Enfin, vous connaissez. Et puis, ben, salut les potes. Et dites-moi si vous voulez plus de vidéos là-dessus.